Et salut à tous, c'est Romain Cell, on se retrouve aujourd'hui pour 8 passages secrets à mettre dans sa base. Ces 8 passages secrets seront très simples à mettre en place et totalement invisibles. On commence tout de suite par quelque chose de très simple, c'est une plaque de pression qui fait office de plaque de cuisson qui nous permet d'accéder à une petite salle secrète. Pour ressortir, on repasse juste sur une autre plaque, on se sneak et c'est bon. Donc c'est un passage qui est assez compliqué à déclencher par hasard. Pour reproduire ça, c'est très simple, on place la plaque de pression sur le four. Juste en dessous, on peut récupérer le courant grâce à une poutre de redstone. Ensuite, de l'autre côté, on va pouvoir casser les blocs qui sont ici afin de récupérer le courant de redstone avec une torche et l'inverser. On peut casser les deux blocs au-dessus du four, puis placer 4 pistons comme ceci et 2 autres dans ce sens. Les deux blocs que l'on a cassés, on peut les poser dans le coin. Au-dessus des pistons, on fait un U, placer 3 poutres de redstone comme ceci, mettre un répéteur au troisième tick dans le sens opposé des pistons, puis l'on vient mettre un bloc de cible juste ici pour faire tourner la poutre de redstone. On place une torche, un bloc et on répète pour arriver en haut. La dernière torche, on la met comme ceci. Pour ouvrir de l'intérieur, il suffit d'alimenter ce bloc. Et voilà. Et ça y est, le système fonctionne. Le deuxième passage, lui, a besoin de snowball pour se déclencher et de viser au bon endroit. Une fois dedans, on peut évidemment l'ouvrir de l'intérieur. Hop. Pour rappel, les snowballs, ça se farm très rapidement. Ce système-là fonctionne presque de la même manière, sauf que le four est remplacé par un Skulk Sensor. Les vibrations lui suffisent pour produire de la redstone et déclencher le système. Sauf que là, on a un problème. En s'ouvrant, le passage secret fait du bruit et redéclenche l'ouverture. Donc en fait, il se ferme jamais. Pour pallier à ça, on peut très bien couvrir le bruit grâce à de la laine. Vous pouvez voir que si je marche derrière les blocs de laine, ça ne fait aucun bruit. Par contre, si je passe de l'autre côté, là, ça se déclenche. Dans l'exemple juste ici, le Skulk Sensor est protégé par des blocs de laine, ce qui lui permet de ne pas capter le bruit des pistons, mais uniquement les vibrations venant d'en face. Pour ce qui est de l'ouverture, c'est le même système, il suffit d'alimenter de ce côté pour que la porte s'ouvre ou se ferme. Petite pause juste pour vous dire que si cette vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner. Pour déclencher le troisième passage, il suffit de drop un bloc au bon endroit. Le passage reste ouvert du moment qu'on ne reprend pas l'item juste ici, et pour le réouvrir, rien de plus simple, on remet l'item juste là. Vous pouvez très bien faire un système qui rend les items après que vous les ayez droppés. Pour sortir du trou, vous pouvez très bien mettre un piston avec un bloc de slime. Le système est très simple à reproduire, on met 4 pistons comme ceci, puis 2 autres vers le haut. Avec 2 blocs d'écart, on refait la même chose, hop. Derrière les pistons, 4 blocs de laine et pareil de l'autre côté. Ici, 2 blocs et de même en face. Des répéteurs sur 3 ticks, comme ceci, et on relie le tout avec de la redstone. On peut mettre les blocs apparents sur les pistons, et quand on allume, c'est invisible. Pour ouvrir le passage avec un item, c'est très simple, on met un hopper, par-dessus on met un rail avec un minecart hopper, on casse le rail, au-dessus on vient rajouter un piston avec un bloc, on active le piston et on le casse. Au niveau de l'entonnoir, on va pouvoir mettre un comparateur, un répéteur, un bloc et une torche, on peut relier au circuit. Si je casse le levier, il ne se passe rien, c'est normal, mais à partir du moment où je vais drop un item, hop, il s'ouvre. Pour le quatrième passage, une fois de plus, on va devoir drop un item, mais cette fois sur la plaque de cuisson. Enfin, les plaques de pression qui ressemblent à des plaques de cuisson. Oui, la technique que je faisais en 2012. Si je drop quelque chose là-dessus, on entend le bruit d'un piston qui se déclenche, mais on sait pas d'où ça vient. Eh bien, c'est très simple, c'est juste derrière cette trappe d'or qui nous permet d'accéder à un tonneau secret. Si je laisse la trappe ouverte et que je récupère l'item, on voit bien, hop, que ça se referme. Et si je remets, hop, ça se réouvre. L'avantage avec cette technique, c'est si une personne cherche un passage secret et qu'elle ouvre la trappe pour voir s'il n'y a pas quelque chose de derrière, et bah elle verra rien. Notez que vous n'êtes pas obligé de mettre un coffre, vous pouvez très bien faire un passage secret pour accéder à une autre partie de votre base. À reproduire, c'est très simple. La simple présence d'un item va inverser la torche, ce qui va rétracter le piston. Sinon, le passage peut aussi se déclencher quand on met un item dans le four. Pour faire ça, derrière le four, on va mettre un bloc avec un comparateur, sur lequel on met un bloc, puis un deuxième en dessous avec un bloc d'écart, sur lequel on va mettre une poutre de redstone. Sur ce même bloc, on va mettre une torche. En dessous, on va faire un L au bout duquel on va mettre un piston, puis on va le recouvrir de redstone. Donc là, le passage est fermé, mais si on met quelque chose dedans, hop, il s'ouvre. Une fois la trappe mise correctement, je peux y accéder comme ça. Si vous préférez que le système soit ouvert quand il y a un bloc dans le four, vous laissez le système comme ça. Sinon, vous retirez cette torche et cette redstone et vous ajoutez un bloc, puis vous remettez de la redstone. Et maintenant, le passage s'ouvre uniquement quand le four est vide. Pour le cinquième passage, on peut pas faire plus simple puisqu'on va utiliser des scaffolding. S'ils sont bien intégrés, ils peuvent passer inaperçus. Et donc, ils laissent accéder à une pièce secrète. Pour remonter, hop, on peut passer comme ça. Et quand on n'y prête pas attention, c'est vraiment invisible. Là, c'est pas bien compliqué, c'est simplement un empilement d'escabeaux sous le niveau du sol. Là, ça sera à vous de l'intégrer par rapport à la déco de votre base pour que ça ne se voit pas. Pour le sixième passage, là, je suis à peu près sûr que ça s'intègre dans toutes les bases, puisque pour l'ouvrir, on va simplement mettre un bloc dans un four ici, puis dans un autre là, et voilà, ça s'ouvre.
La subtilité ici, c'est qu'il y a besoin que les deux fours contiennent quelque chose. Là, ça se referme. Simplement deux comparateurs reliés à des torches de redstone pour désactiver ou non le passage. Ici, vous pouvez renforcer la sécurité ou non du passage, simplement parce que ça peut varier en fonction de plein de blocs. Vous pouvez très bien imaginer un système avec par exemple un lecterne, un coffre et un four. On va dire qu'il faut que le livre soit ouvert au moins à la page 10 sur le lecterne pour déclencher le système, que le coffre doit absolument être vide et que le four doit contenir quelque chose. On va même rajouter le besoin que le jukebox soit en train de jouer. Donc voilà le système mis en simple très simplement. Je symbolise l'ouverture du passage par cette redstone lampe. Donc là elle est éteinte, donc le passage serait fermé. Si j'ouvre le lecterne à la page 10, que le coffre est bien vide, qu'il y a quelque chose dans le four et que le jukebox est en train de lire une musique, le passage s'ouvre. Mais si je retire le disque, le passage se ferme. Si je mets quelque chose dans le coffre, il se ferme. Et si je descends dans les pages, pareil. Et idem si je retire le disque. Il faut simplement que chaque paramètre que l'on veut faire rentrer en jeu n'émette pas un courant de redstone quand ils sont activés. Par exemple, le coffre vide, vous pouvez voir qu'il n'émet pas de redstone s'il n'est pas allumé. Idem, pour qu'il y ait du courant quand le four est vide, on met un comparateur et une torche qui inverse le courant. Donc toute la redstone doit converger vers une torche qui, elle, ne s'inversera que quand elle n'aura plus du tout de courant. Donc quand tous les paramètres sont favorables et qu'il n'y a plus de redstone, eh bien la torche s'inverse et le passage peut s'ouvrir. Pour le 7ème passage, si je vous ai perdu avec la redstone, c'est pas grave puisque celui-ci n'en contient pas. Encore une fois, j'utilise des scaffolding puisque en allant sur cette pseudo-chaise, je vais pouvoir me sneak et descendre. Je peux donc accéder à une pièce secrète et pour remonter, hop, je sors simplement de mon fauteuil. Pour le 8ème passage secret, c'est le seul basé sur un bug. C'est tout simplement le fait qu'on puisse passer à travers les shulkers quand elles sont en train de se refermer. Pour ressortir un petit levier comme ça qui ne fonctionne que dans un sens, c'est bien efficace. Bon sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Romancel, salut! Allez, petit passage secret bonus, c'est cadeau. Les item frames renvoient un courant différent en fonction de la rotation de l'item à l'intérieur. Ce qui fait qu'on peut faire une combinaison, par exemple ici 1, 2, 3, 4, et ici 1, 2, et hop, on accède à une nouvelle salle secrète. Dans ce cas précis, voici à quoi ressemble la redstone derrière.